Alors nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 25 Adar et on est Kouf Nun He. Ça s'attachait encore deux jours et on a fini Messer Shabbat. Allez, Matnitin. Donc on est dans la Mishnah, ligne 15 à peu près. Matnitin, Matirin Piqi Amir Fne Behema. Alors on parle ici de nourrir les animaux. Alors on avait là-bas des bottes de paille. Alors il nous dit ici, on a le droit de détacher, parce que les bottes elles étaient attachées. Alors on détache, comme ça les animaux ils peuvent donc accéder facilement et manger. Voilà, Pekir Amir, donc des bottes de paille, les Fne Behema. Après la Mishnah dit, on fasse pessine et hakifin, aval l'autre hazirin. Et on a le droit, mais fasse pessine, c'est une autre étape, c'est quand par exemple la paille, elle est, même elle est détachée, mais elle est un peu serrée. On l'étale comme ça devant l'animal, comme ça il prend plus plaisir à manger. Alors kifin, c'est de la paille, alors zérine aussi, et on va voir dans la Mishnah, la Gemara va nous expliquer la différence entre les deux, selon les avis. Donc pour l'instant on dit comme ça. On a le droit de dispatcher, donc disperser la paille qui s'appelle kifin, mais pas les zérines. Après, on n'a pas le droit de couper en morceaux shahat. C'est aussi de la nourriture des animaux, ni les caroubes devant les animaux, on n'a pas le droit de les couper en petits morceaux. Ben daka ben gassa, que l'animal soit, daka c'est l'ovin, les ovins, gassa c'est des bovins, soit les animaux chèvres, agneaux, ni devant les vaches et les bœufs et les taureaux. Rabbi Yehuda matir b'chadar ben daka. Rabbi Yehuda lui dit, si c'est pour les petits agneaux et les petites chèvres, on a le droit de couper les caroubes. Il matir b'chadar ben les caroubes. Voilà donc notre Mishnah, on va essayer un petit peu de Harvin, c'est le carreau. Pour les Dakar, pour les animaux les petits, c'est-à-dire les ovins. D'accord? Voilà. Amarabuna, hen pirkaïn, hen kifin. Rabona dit, en vérité, ce qu'on a vu dans la Mishnah, pirkaï amir et kifin, c'est la même chose. C'est de la paille. La différence, c'est quoi? Pirkaïn, tre, kifin, tlata. Pirkaïn, c'est quand dans la botte, on met deux attaches. Et kifin, on met trois attaches. C'est la même chose. C'est la même chose en fait. C'est la même paille. Seulement Pekain Tri qui fait la table. Maintenant, c'est quoi Zirin de Adze? Et des Zirin, c'est les branches de cèdre. Alors, la différence, c'est que le cèdre, normalement, quand on le laisse pousser le bois et mûrir, il devient du bois et on l'utilise pour du bois. Mais si on le prend à l'état encore, encore frais, il peut servir comme nourriture d'animaux. Voilà comment Ravona il explique la Mishnah. Donc on a le droit de détacher les bottes de paille devant l'animal et aussi on a le droit de les disperser. Yoadin, les kifin. Et même les kifin aussi, donc, c'est-à-dire comme lui il a expliqué, il a dit que kifin il y a trois attaches, on a le droit de les détacher et aussi de les disperser. Aval, l'eau est à zirin. Mais pas les zirin, qui donc ce sont les branches de cèdre. Cela, l'eau les fasfes, mais l'eau les hattir. Ni on a le droit de les disperser, ni on a le droit de les détacher. Alors, si on veut déjà comprendre, moi, on va expliquer de suite après pourquoi il fait la différence entre les deux. Ce qu'il dit, lui, Ravona, en fait, c'est quand tu as déjà de la nourriture, tu as le droit de l'améliorer. Comme ici, on a dit, on détache, on disperse. Mais quand il y a quelque chose qui n'est pas potentiellement nourriture, tu ne peux pas la transformer en nourriture. Le bois, par exemple. Voilà. C'est ça son avis à lui. Il va le dire. Mais juste qu'on ait déjà une idée de ce qu'il a dit. Ça, c'est Zirin, le cèdre, ni détaché, ni dispersé. Ça, c'est Ravuna qui a dit ça. Amad Abhazda, moi, il va nous expliquer justement. Maït Amad et Ravuna, quelle est sa raison? Qasabat, il pense. Les metrach bi okhla, tarhinan. Les chaboyé okhla, la meshvinan. Donc, les matrahbeurla, se fatiguer dans un aliment qui est déjà nourriture, et tu te fatigues un peu pour le détacher, pour le disperser, c'est pas grave. Mais un aliment qui n'est pas encore consommable, et toi tu le transformes en consommable, puisqu'en le détachant, tu le donnes à l'animal pour qu'il mange, sinon il va devenir du bois, ça lui il permet pas, c'est pour ça que dans le cèdre il permet pas. Ça c'est l'avis de Ravuna. On va voir maintenant l'avis de Rav Yehuda. Rav Yehuda amar, hen hen pikirin, hen hen zirin. Rabbi Yehuda lui dit le contraire. Les pirkin et les zirin, c'est la même chose. Comme on a dit, pirkin, tre, zirin, tlata.
Les pirkayin, c'est donc les bottes de paille en deux attaches. Zirin, c'est trois attaches. Kifin, c'est des arzés. Lui, Rabbi Daï, pense que le kifin, c'est ça, le cèdre. Alors, comment il explique notre Mishnah? Il dit comme ça. Lui dit, on a le droit de détacher les bottes de paille devant l'animal, mais on n'a pas le droit de les disperser. On peut détacher, mais pas les disperser. Oui, qui fin, selon lui, qui sont des cèdres, on peut même les disperser. Aval, lohazirin. Mais pas les irines, c'est-à-dire selon lui, les bottes de paille à trois attaches, les fasses-fesses. Tu n'as pas le droit de les disperser. Elle les attire seulement, tu peux les détacher. Et alors, comment on peut comprendre son avis donc, quand il a dit tout ça à Rabbi Yehuda? Amar alava maït amad de Rabbi Yehuda. Kassava, chevoui orla, mashvinan, metrav orla le talhinan. Lui, il te dit le contraire de ce qu'il a dit à Rabbi Yehuda. C'était quand un aliment qui n'est pas encore consommable, tu peux le rendre consommable. C'est pour ça, par exemple, le cèdre, il dit, on a le droit de ce qu'on ne parle pas du corps pour l'instant. Et lui, il a dit, le cèdre, donc c'est, selon lui, le cèdre, c'est Rabbi Yehuda, il a dit, c'est du kiffin. Il a dit, on a le droit de les fasse pousser, mais fasse pousser nan. C'est-à-dire, on peut les étaler devant l'animal, parce que c'est comme ça qu'on les transforme en aliment. Mais détacher, c'est pas la, non, on n'a pas, pas le droit, parce que là, c'est matelah. Tu te fatigues pour rien, hein? Les couper en morceaux, c'est ça? Non, parle pas de couper en morceaux, c'est couper les attaches. Mais si tu les étales devant lui, c'est que tu coupes les attaches? Non, s'ils étaient déjà étalés, détachés. Tu as le droit de les étaler. D'accord, tu as le droit de les étaler parce que tu es en train de, donc de le transformer en nourriture, sinon il ne peut pas les manger vu que c'est du bois. Si vous, lui, il dit le contraire. Si vous voyez, quand il y a de la nourriture qui n'est pas encore nourriture, tu peux la rendre nourriture. C'est ce qu'il a dit, puisqu'il a dit le cèdre, s'il est détaché, lui il a dit le kifin, les kifin, c'est-à-dire, les, selon Rabbi Yehuda, kifin, ce sont les cèdres. Ben, ce qu'on a dit, quand ils sont détachés déjà, on a dit au début, le cèdre, quand il est en état, avant de devenir du bois, il a des branches, c'est frais, ça se mange par les animaux. Donc lui il dit, tu peux le détacher, tu peux le rendre mangeable pour les animaux. Mais si tu as déjà des aliments qui sont consommables, tu n'as pas le droit de te fatiguer. Laisse comme ça. C'est pour ça, lui, il a dit, l'ohazerin, les fasses-fesses, tu n'as pas le droit de prendre comment on appelle ça, les bottes à trois attaches. Tu peux les détacher, mais tu ne peux pas les étaler. Les détacher, parce que c'est comme ça que tu les transformes en nourriture. C'est comme ça que l'animal peut manger. Mais fatiguer plus encore pour que l'animal il soit plus facile à manger, non, il ne permet pas. Ils n'ont pas la même définition des mots. Hein. Exactement. Hein, ni dans les mots, ni dans la définition de ce que tu autorises ou pas. Ils disent la même chose au sens du mot. Non, ils ne disent pas la même chose. Parce que A, il dit, si tu as un animal qui est consommable, Ravuna, il a dit, si tu as un animal consommable, tu peux par exemple l'étaler, l'arranger, il n'y a pas de problème. Mais si l'animal n'est pas consommable, tu ne peux pas le transformer en consommable. Ça, c'est Ravuna. Rabbi Yehuda dit le contraire. Si tu as un aliment qui est déjà. Qui n'est pas consommable, tu peux le rendre consommable. Mais s'il est déjà consommable, tu n'as pas le droit de faire plus. Alors, moi, je vais poser une question. Nous avons vu de la Mishnah qu'on n'a pas le droit de couper Shahad. C'est donc la nourriture des animaux, ni le karoub en petits morceaux. On a dit ça, on n'a pas le droit de les couper en morceaux. C'est ça, mais donc, quand on a dit comme ça, on n'a pas le droit de couper en morceaux. L'agma a dit, maï, ça veut dire quoi? N'est-ce pas que les karoub, ils sont comme shahat? C'est quoi shahat? C'est. Hein? Voilà, c'est le shahat. En fait, c'est le blé et l'orge. Quand ils sont encore. Avant qu'ils deviennent du blé et de l'orge, les animaux les coupent à l'état encore petit, ça devient comme des herbes pour des animaux. D'accord? C'est ça le shahat. Alors lui, il dit comme ça, si on a mis shahat et les karoubes en même temps, n'est-ce pas que les karoubes, ça ressemble au shahat, c'est-à-dire, ma shahat de la kéhe, qui sont tendres, avhadouvin de la kéhe, ils sont aussi tendres, et qu'est-ce qu'on a dit? L'eau, on n'a pas le droit de les couper. Alma la tarhanan bi'urna bi'te'udé de la bouna.
Donc il y a une question contre Ravuna. Puisque Ravuna, il a dit, on n'a pas le droit de transformer, mais on a le droit d'améliorer. Et pourtant ici, on te dit qu'on n'a pas le droit d'améliorer. C'est-à-dire que tu as, donc, mettons, on appelle ça du blé, d'accord? Du blé, et tu as du carreau. Tous les deux, ils s'entendent. Et la Mishnah dit, tu n'as pas le droit de les couper en morceaux. Ça veut dire quoi? Ils sont déjà mangeables par les animaux. Laisse-le se débrouiller. Voilà, tu peux les lui donner, mais pas couper en morceaux. C'est-à-dire fatiguer encore plus pour donner à manger, pour que l'animal soit plus facile, plus agréable pour lui. Tu n'as pas le droit de faire. C'est comme la paille qu'on coupe les attaches et qu'on étale, c'est ça? Voilà. Mais tu peux pas faire ça pour les BMA Gassa et tu non, non, on a pas, il n'y a pas marqué. Il y a marqué Bendaka et Gassa, c'est la même chose. C'est marqué. On a dit qu'on a pas le droit de couper. Ça veut dire que l'aliment, il est devant toi, tu n'as pas le droit, donc devant l'animal, et tu n'as pas le droit de te fatiguer pour couper encore un morceau. Alors que Ravuna, il a dit non, on a le droit de se fatiguer. Ça, c'est la question contre Ravuna. Amal Ravuna, là. Ravuna, il te dit non, tu as mal compris. Quoi? Toi, tu m'as dit que les carreaux, c'est comme le blé. Comme le blé, il est tendre dans les carreaux aussi. Tu as mal compris. C'est pas comme ça qu'il faut dire. Shahat domia de Hadoué. C'est en fait le blé qui est comme les carreaux. Quoi? Ma Hadoué n'a koshi, Abshahad de Akoshi. Il dit de la même façon que les carreaux, ils sont durs. On parle ici de la, donc du blé qui est dur. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le couper. D'accord? Comme il est dur. Ça paraît tout logique de couper quelque chose qui est dur parce que justement, il ne peut pas changer. Moi, je pense que c'est pardon? Ça me paraît plus logique de permettre de couper quelque chose qui est dur, notamment pour une bête qui est encore bébé, par un petit peu mal mangée. Ça, c'est ce qu'on va dire après pour les bêtes qui sont bébés. Mais pour l'instant, nous, Ravonnet, il te répond que toi, tu me dis, voilà, on a vu ici qu'on a le droit. On n'a pas le droit d'améliorer. Il te dit, monsieur, mais ici, tu n'améliores pas. C'est du sec. Il n'est pas mangeable. Non. Ravuna, il te répond. Ici, c'est sec. Ce n'est pas mangeable. C'est pour ça, en fait, je suis en train de transformer à manger. Comme le bois d'être. Voilà. Je commence à le mettre à la portée de l'animal. Alors, moi, dit, comment est-ce possible qu'ils vont manger? Comment est-ce possible qu'on peut leur couper? Quand c'est dur, il est dit, il les autres. Il s'agit de petits anons, des petits ânes, et comme ils ne peuvent pas, parce que c'est trop dur, c'est pas ça, donc on est hein, de couper en morceaux. Tashma, là, on va poser une autre question. Rabbi Yehuda Mate Baharovin et Daka. On a vu que Rabbi Yehuda dans la Mishnah, il a dit non, les carreaux, on peut le couper en morceaux pour les petits les animaux, donc les ovins, les chèvres et les agneaux. La Gemara a dit, les Daka et les Gassala. Si Rabbi Yehuda il permet pour les petits animaux, ça veut dire pas pour les gros animaux, pas pour les bœufs et les vaches et les taureaux. Et Amad Bishlama, alors il faut bien écouter le raisonnement. Et Amad Bishlama, Tanaka Masavad Mitrahbi Ochlala Tarhinan Shavi Mashvinan. La Gemara dit comme ça. Donc quand Rabbi Yehuda il vient, il dit pour les petits animaux, on a le droit de couper le carreau. Alors il dit, qu'est-ce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a entendu chez le Tanakama pour venir dire ce qu'il a dit? Alors comme ça. Si Tanakama, il a dit, se fatiguer, on n'a pas le droit. Transformer, on a le droit. C'est pour ça, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il vient et te dit, tu sais, les carreaux pour les petits animaux, ce n'est pas une fatigue. C'est comme ça qu'ils peuvent manger, sinon ils ne peuvent pas du tout manger, vu que c'est des petits animaux. Donc c'est pour ça, nous, on a dit, le Tanakama, il dit, tu n'as pas le droit de te fatiguer. Donc, tu n'as pas le droit de couper le carreau, puisqu'il est mangeable. Il vient Rabbi Yehuda et dit, tu as raison, mais quand on coupe le carreau pour les petits animaux, on n'est pas en train de se fatiguer, on est en train de transformer l'animal pour qu'il devienne consommable. Parce que l'animal petit, il ne peut pas manger. D'accord? Et là, et Amna Tanakama, ça va la sourire, la lamashvina, mais t'as vu la matalhinan. Mais si on dit que Tanakama, comme il a dit Rabbi Yehuda, qu'il ne me permet pas de transformer, il me permet de se fatiguer. Rabbi Yehuda de Maté Baharovin de Daka, Koshi Kenegasa. Si Rabbi Yehuda il a entendu que Tanakama il a dit, on n'a pas le droit de transformer, mais on a le droit de se fatiguer. Alors qu'est-ce qui vient? Rabbi Yehuda il dit, tu sais, on peut couper Harovin et Karoub pour les petits animaux, mais si on a le droit de se fatiguer, même pour les grands animaux, si on a le droit de se fatiguer, selon le premier.
D'accord. Koshiken et Gassa. Vous avez compris, la question, elle est contre Rabbi Yehuda. Si Rabbi Yehuda, selon la vie de Rabbi Yehuda, que comme quoi, que le Tanakama, lui, il pense, que on n'a pas le droit de transformer un aliment en consommable, mais on a le droit de se fatiguer. Alors qu'est-ce qu'il vient, Rabbi Yehuda lui dit? Ah oui, on a le droit de se fatiguer, et on a le droit de donner, couper les caroubes pour les petits animaux. Mais au contraire, c'est les gassins, c'est pour les grands, les bœufs et les vaches qu'on a le droit de couper, comme ça, puisqu'on a le droit de se fatiguer. Donc c'est normal qu'on a le droit de se fatiguer pour les grands aussi. Alors la Gemara dit, Misav, Daka, Daka, Mamashmaï, Daka, Gassa. La Gemara dit, qu'est-ce que tu penses, toi? Quand Rabbi Yehuda dit Daka, d'après toi, c'est Daka, c'est les petits animaux, c'est pas ça. Daka, c'est les vaches. Ah, comment tu les appelles Daka alors? Ici, le mot Daka, ça ne veut pas dire que c'est des animaux petits. Ça veut dire des gros animaux, mais qui mâchent bien. Daka, c'est-à-dire qui mâchent bien. Alors la Gemara dit, ça, c'est pas logique. Et ça s'arrête avec une question contrôlée, évidemment. Moi, je dis, comment tu me dis que Daka, c'est une grosse vache? Alors que Tanakama lui-même, il a dit, on peut donner au bébé Daka, bébé Gassa. Soit les petits animaux, soit les gros animaux. Toi, tu me dis, non, seulement les petits animaux. Et que ça dit les petits animaux, tu me dis, mais ce sont les gros animaux. Ça va rien dire, c'est quoi ta marloquette? Donc, ça reste une question, évidemment. Tashma, la Gemara pose une autre question. On a le droit de couper les courges devant un animal. C'est-à-dire, donc, on vient à Yom Tov, on veut lui donner à manger l'animal, on lui coupe la courge. Shabbat ou Yom Tov, c'est pareil. C'est pas se fatiguer, ça. Ah, justement, attends. On a le droit aussi de couper de la viande de cadavre pour donner à manger à son chien. Alors, la Gemara dit, Maï, l'av de l'oïn de mia d'envela. Pardon. Manevela de la kirche, Abdeloïn de la kirche. N'est-ce pas que, on parle ici que les courges et Nevela, ils sont le même statut. De la même façon que la viande, c'est de la viande qui est, on va dire, molle. Et donc, malgré tout, on nous permet de couper. Il s'agit aussi de l'Oïn de la kirche, des courges qui sont molles. Et on permet de couper. Donc, tu vois bien qu'on a le droit de se fatiguer. D'accord? Ici, on n'est pas en train de transformer. Puisque la viande, elle est déjà consommable telle quelle par le chien. Oui, mais ça veut dire que tu fais un travail en plus. Le chien, il peut très bien manger comme ça. Mais toi, on te permet de couper. Si on a plusieurs chiens, peut-être qu'on... Non, on ne parle pas ça. Quand on dit se fatiguer, ça veut dire que le chien, il peut se débrouiller seul, mais toi, tu l'aides, on va dire comme ça. Voilà. Tu l'aides à facilement manger. C'est ça, fatiguer. Voilà. C'est considéré comme non mangeable au début? Non, justement. Donc, on a dit, la viande, c'est mangeable. Et pourtant, on te dit, tu as le droit de la couper. Donc, tu vois bien, on peut se fatiguer pour l'animal. Donc, question contre la médaille. On ne se fatigue pas. Amal lach Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit non, monsieur. Là, nevela du madedran. Pas comme tu as dit, toi, la courge, c'est comme la viande de cadavre. C'est le contraire. La viande de cadavre, c'est comme la courge. Ma de loin de hachouni, av nevela de hachouni. De la même façon que la courge, elle est dure. On parle ici de la viande qui est dure et qui n'est pas mangeable. Et quand tu la coupes, tu la rends mangeable. Tu n'es pas en train de fatiguer. Alors, l'agma a dit. Où tu as vu que la viande elle est dure, il dit bevasad peli, c'est-à-dire la viande qui est dure, avec filandreuse, on n'arrive pas. À soi-même, non. Pour les animaux, oui. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que tu as le droit de donner à manger un animal, ça c'est évident. Mais est-ce que tu as le droit de faciliter la chose pour l'animal? C'est ça. Donc de fatiguer toi. Oui, absolument. Mais c'est ça, mais très bien, on n'a pas dit non. Justement, on a le droit de donner à manger. Mais est-ce que tu peux te fatiguer, Shabbat, rien comme ça, pour rien, en plus pour l'animal? Tu ne vas pas lui donner quelque chose qu'il n'a pas mangé ou qu'il va s'étouffer. Il va manger. Ah non, si tu lui donnes comme ça des gros morceaux. Il va manger. Tu lui fais un petit luxe. Mais au dépend de ton travail, toi, Shabbat. Ah, mais c'est ça, le problème, il est là. Ou encore, il s'agit du petit chien qui ne peut pas manger les gros morceaux et tu es obligé de couper des petits morceaux comme s'il puisse manger. C'est ça. Qui peut pas. Non, c'est la réponse. Mais nous, on a dit, n'est-ce pas, que tu n'es pas en train de te fatiguer. Mais je ne suis pas en train de me fatiguer ici. Ici, je suis en train de
transformer l'animal. Il n'est pas mangeable comme ça. D'accord, c'est pas une fatigue. Tashma. La Gemara dit, Détan et Rav Hanan, encore une question. Rav Hanan, une herda, il a enseigné. Mais Fadchenante, Venves Pasta. On a le droit de couper la paille. Et l'aspasta, c'est aussi l'aliment pour les animaux. On coupe. On m'a dit, on mélange ensemble. Oui. Alma, Tarhenan, Biokhla. Donc tu vois bien qu'on a le droit de se fatiguer, puisqu'on a dit, on a le droit de couper l'un et couper l'autre. Après, mélanger ensemble. On est prêt à manger pour l'animal, donc alors qu'il aurait pu très bien se débrouiller tout seul. Donc tu vois bien qu'on est en train de se fatiguer pour l'animal. Alors la Gemara répond non. Teven betevna salia. Aspasta bi'ayl soutri. La Gemara dit en vérité ici, il s'agit de la paille qui est mélangée avec de la paille qui est mauvaise. Donc si on laisse comme ça, l'animal ne va pas manger. Donc on est en train de mélanger, en fait de transformer. On mange carrément. Ou encore aspasta bi'ayl soutri. Parce que ça t'arrange à toi. Non, au contraire. Oui, parce qu'autrement, cette paille-là, tu vas pas pouvoir la faire passer. Justement, l'animal ne va pas manger. Ah ben c'est ça qui dit la Gemara. Toi, tu pensais qu'on est en train de se fatiguer. Tu dis non, je suis pas en train de me fatiguer. Je suis en train de transformer l'animal. Sinon, l'animal ne mange pas du tout. C'est ça qu'il est en train de te dire. Aspasta, bien les autres. Et la même chose, ou encore, il te dit, c'est pour les petits animaux qui n'arrivent pas à manger. Alors on leur coupe et on leur mélange en temps comme ça ils puissent manger. Donc je ne suis pas en train de me fatiguer, je suis en train de transformer un aliment. Point. Mais Rabbi, transformer un aliment, ça peut être fatigant. C'est pas, mais non, c'est pas regarde, encore une fois, quand l'aliment n'est pas consommable du tout et tu le rends consommable, ça s'appelle transformer un aliment. Mais quand l'aliment il est consommable et toi tu fais un plus pour faciliter, ça c'est la fatigue. C'est ça la différence, on est en train de parler de ça. Non, c'est une logique parfaite. Soit tu as un aliment qui n'est pas mangeable comme ça. Alors on te dit, tu peux couper comme ça, il devient mangeable. Dans le cas de la paille, imaginons qu'on a une table de paille, je ne sais pas, on imagine que tu vas prendre sa fourche, il va faire comme ça, il va mélanger, c'est fatigant quoi. Mais ça, justement. C'est fatigant, mais il va dire juste, je m'améliore. Mais c'est fatigant. Mais non, c'est dans le sens où, est-ce que l'animal peut manger tel quel? Auquel cas, quand tu fais des choses, des actions supplémentaires, ça s'appelle une fatigue. Ou l'animal ne mange pas, et quand tu es en train de mélanger, ce n'est pas une fatigue, c'est on est en train de lui donner à manger. Allez, maintenant, une nouvelle Mishnah. En ovsin et hagamel. On n'a pas le droit, la Mishnah elle dit comme ça, on n'a pas le droit donc de, comment on appelle ça, engraisser un animal, le chameau, ici on parle du chameau. Engraisser, c'est-à-dire donc, bourré, voilà, gavé. Et pourquoi ils font ça au chameau? Attends. Vélo d'Orsine. Et on n'a pas le droit non plus. D'Orsine, c'est la même chose. C'est-à-dire, donc, on rentre le manger par force. Gavé, c'est ça. Oui, absolument. De les faire ça le Shabbat. Aval mal'aitin. Mais on a le droit mal'aitin. On va voir dans la Gemara, il va nous expliquer la différence. Ve'in ma'amirin là aussi. Et ta'aralim, les veaux aussi. En fait, c'est la même chose. On ne gave pas, mais on va voir à quel stade de gavage. Donc le problème, c'est le gavage. Ce n'est pas forcément les animaux en question. Non, gavage. Ils peuvent consommer ce qu'il a de l'âge. Aval mal'aitin ou mal'aitin est un égolim. Mais on a le droit de gaver les poulets. Voilà, tu vois, un poulet, je comprends, mais pas un chameau. Après, venotin même. La moussane avale le gouvelin. On a le droit de mettre de l'eau. Le moussane, c'est l'aliment des... c'est comme de la poudre quand on a mangé aux animaux. Pour que ça soit plus mangeable, on met de l'eau, on mélange, ça devient plus humide et l'animal y mange. Voilà. Alors, on a le droit de mettre de l'eau dans cette poudre-là, mais le gobelin, on n'a pas le droit de pétrir. Tu laisses. On n'a pas le droit de servir de l'eau, soit de mettre de l'eau à boire pour les abeilles ou pour les colombes. Qui sont dans les cages. Aval, notnin levne avazin vetanegonin, vous levne odehadesayot. Mais on a le droit de mettre de l'eau devant tes oies, des poulets, ou donc, on a dit, ce sont des pigeons de hordos, c'est-à-dire des pigeons qui viennent à la maison, qui restent à la maison. Quoi? Oui, exactement. Gavage. Alors, Gemara, elle va nous expliquer évidemment tous ces termes-là.
Mai en ofsin, c'est quoi en ofsin quand on a dit dans la Mishnah on n'a pas le droit de bourrer le chameau. Amar Rabbi Yehuda, en ofsin la evus betoch me'eha. On ne lui donne pas evus, c'est-à-dire un bourrage dans son ventre. On explique que le chameau, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne à manger énormément. Il conserve dans sa bosse. Et après, on lui donne. Apparemment, il y a autre chose. Okay. Ouais. Alors, et donc, après, on lui donne à manger, il mange. Et après, il va manger ce qu'il a conservé dans son. Je sais pas, dans la bosse ou ailleurs, en tout cas, dans son ventre. C'est ça, l'agma a dit. Est-ce que c'est possible de faire ça? Il dit oui, monsieur. Il le bourre pour qu'il puisse marcher. Il le bourre, voilà, exactement. Il le bourre pour manger et il le bourre pour conserver pour après. Il a dit, moi j'ai vu un bédouin. Il a donné à manger à son animal corps, il lui a bourré corps. C'est-à-dire, il a mangé 25 kilos et il lui a mis 25 kilos dans le ventre de réserve. Oui. Sinon, il n'y a aucun problème. Le bédouin, c'est un travail. Non. C'est référence pour te dire que ça existe, cette façon de faire. C'est un travail, ça. Et donc ça, c'est assourd de faire. Ouais, c'est assourd. Shabbat. Tu es en train de te fatiguer. Et tu te prépares pour quelque chose. Tu te fatigues pour rien. Si tu le bourres, c'est que tu te prépares à voyager, peut-être. Exactement. Arabie. Hein? Si tu le bourres comme ça, tu te prépares à traverser le désert ou à voyager ou... Mais c'est pas vrai, mais si s'il mange, en fait, on se fatigue. Shabbat, tu te fatigues. Tu me connais, tu es en train de faire d'avoir. Non, moi je me suis pas entraîné, c'est le chameau qui me connaît. Comment tu te connais? C'est toi qui le bourre. Donc c'est parce que tu as besoin qu'il soit résistant. Très bien. Donc, c'est toi qui le fais. Mais c'est la fatigue plus qui est interdite. On parle de fatigue ici. Quoi donc? Non, mais là le chameau, je pense pas qu'il est en train de souffrir. Mais non, puisqu'on te dit que l'animal, le bédouin, il le faisait. Donc ça se fait habituellement. Alors ça se fait. Non. Le foie gras, tu crois que c'est pas sauté? Les canards, c'est autre chose. Attends, ça dépend de quel gavage il s'agit. Tu lui mets 25 kilos de chic. Mais non, regarde, lui, il t'a dit que le bédouin, il a fait, ça veut dire que c'est des choses qui se font naturellement chez le chameau. Donc ça, on te dit de façon naturelle, ça se fait. Et bien, toi, tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Après. Et après, on a dit, Enma Amirin, et là où l'agmara donc, va nous expliquer. Ezohi Hamra Abe, Ezohi Halata. Qu'est-ce que ça veut dire, Malaitin, et qu'est-ce que ça veut dire, Ma Amirin? Rabida, il explique, il dit, quand on dit Mamre'in, Ma Amirin, pardon, c'est quand on le gave, et donc on rentre tellement profondément que l'animal ne peut pas rejeter. Alors que Halata, c'est le Makom Shirola, tu peux le gaver, mais l'animal il peut rejeter encore. C'est-à-dire on est encore un petit peu, pas trop profond dans l'âme. Voilà, on n'est pas trop profond. Ça, c'est Rabida qui a dit comme ça. Rav Hazda, il dit non, monsieur, c'est pas comme ça. Et DVD, les Makom Shaykh Hazda. Dans les deux cas, on parle qu'on rentre l'animal profondément, que l'animal ne peut plus renvoyer. Alors, c'est quoi la différence? Hamra'a bekeli, halata bayat. La Hamra'a, c'est avec un ustensile que ça se fait. Apparemment. Et l'autre, halata, c'est avec la main. Tu rentres avec ta main, là où tu peux rentrer. Non, mais là on parle. Non. Là on parle plus du chameau. Là, c'est un autre. On parle un autre cas. On n'est plus dans le premier cas. Le premier, on a terminé. Hein? Là, on est dans un deuxième cas. N'oublie pas, on est dans Shabbat. Alors, on vous parle. Est-ce qu'on a le droit de faire ces choses Shabbat, oui ou non? Donc, ce sont des choses qui se font en hol. Alors, on veut savoir est-ce que Shabbat, on a le droit de faire ça ou pas. Alors, on essaie de comprendre pourquoi. On te dit malaitin, oui. Mais en ma'amirin, ça veut dire quoi ma'amirin? Ça veut dire en ma'amirin. Je t'explique. Tu as le droit de le rentrer dans la bouche à un endroit où il peut encore rendre ses motards Shabbat. Mais si tu le rentres tellement profondément qu'il n'a plus. Ça veut dire que si tu enlèves ta main, l'animal il peut vomir. Mais des fois, quand tu le rentres dedans à l'intérieur, il y a un endroit où ça ne manque plus. Le problème, c'est qu'il ressort. C'est pas le problème qu'il va stocker. Non, c'est ressortir. Pour les veaux là. Et quelle différence il y a? Quelle différence? Quand tu rentres, regarde, quand tu le rentres à un endroit où il peut rendre, ça veut dire que tu n'es pas en train de te fatiguer. Ben, il mange aussi la même chose, vu qu'il peut rendre. Tu renfonces un peu plus ou un peu moins. Ouais, c'est pas grave, justement. Si, c'est un peu plus, que ça rentre dans son ventre, que ça sort plus. Donc tu es en train de te fatiguer pour plus. Tu combats, tu es en train de. Tu fatigues plus? Oui, dans les deux cas, tu comprends. Je ne parle pas de souffrance d'animal ici. Dans les deux cas, tu lui
Allez, mettez Rabbi Yosef. Mettez Rabbi Yosef. Allez, monsieur, on a une longue page à terminer. Mettez Rabbi Yosef. Voilà, on a vu, c'est marqué qu'on a le droit de gaver. Chut. On a le droit de gaver les poulets. D'accord. On a le droit donc de gaver les poules. Et a fortiori, malchitin aussi. En fait, il joue sur les mots. Après, il dit, et par contre, on n'a pas le droit de gaver les pigeons sauvages. Alors, l'agma a dit, quelle est la différence entre les deux termes? Si tu me dis que malchitin, si on le rentre avec la main. Alors que malchitin, on pose devant eux à manger. Mais qu'il a dit, ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de donner à manger donc à des pigeons que tu as chez toi. Pourquoi? Et la lave, n'est-ce pas que? Mais al-khitin, le maqam j'en hazir. Mal-khitin, le maqam j'en hazir. Donc tu vois bien que le mot mais al-khitin, donc ça veut dire, c'est un endroit où elle ne peut pas rendre, et mal-khitin, un endroit où elle peut rendre. Donc, mikla, dehamra'a bekele. Vite, tadavuda. Donc tu vois bien que le mot hamra'a, qui signifie pour nous la même chose que mal-khitin ou mal-aitin, c'est la même chose pour nous. Et hamra'a, c'est, comme il a dit, bekele, avec un ustensile. C'est pour ça qu'on a dit que c'est assur. Et donc, ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, qu'il a dit, il a dit Hamra'a. Rabbi Yehuda, il a dit, c'est un endroit où elle peut plus rendre. Elle ne peut pas rendre. Donc en fait, c'est le Kili qui a trouvé. Nous, on comprend comme ça. Alors que Rabbi Yehuda, lui, il a dit, c'est Rabbi Hazda qui a dit, dans les deux cas, on parle d'aller jusqu'au profond. Seulement, un avec le Kili, c'est assur, avec la main, c'est mouta. Ça, c'est ce qu'on vient de voir, nous. Parce que même dans les deux termes, c'est pas, il y a le Al-Aitini, c'est comme. L'Agmara vient de dire maintenant que voilà. dans les deux cas, en fait, on arrive à un endroit où l'animal ne peut pas rentrer. Rav Hazza, il a dit un avec le kili, un avec la main. Le kili, c'est sur la main, c'est moutard. Nous, maintenant, on vient de déduire que dans les pigeons, les poulets et les pigeons, on a compris que ce qui est interdit, c'est le kili. Ça veut dire que. Pas avec la main. Très bien. Ça veut dire ce qu'il a dit, Rav Yehuda, en fait, ce qui est interdit, c'est à l'endroit où tu peux. Rendre ou tu ne peux pas rendre, et ce qui est permis, c'est à l'endroit où tu peux rendre, c'est faux. Parce que nous, on voit ici que même à l'endroit où l'animal ne peut pas rendre, si tu le fais avec la main, c'est moutard. Oui, mais un pigeon, tu ne peux pas lui mettre avec la main. Tu es obligé d'utiliser un kéli. Non, monsieur. Comment non? Non, ça c'est toi qui le dis. Moi, je ne suis pas. L'agma a dit non. L'agma a dit. Oui. Amalak Rabiuda. Vous n'êtes pas des paysans comme moi, ni des viticulteurs. Avant, ils n'avaient pas de seringue. D'accord, alors c'est bon. Amalak Rabiuda. Allez, messieurs, on ne va pas des chinoiser sur des détails que nous, on n'est même pas au courant. Pas chinoiser, hein, si, l'Agmara te dit, on est en train de déduire de l'Agmara que quand on va donc jusqu'à un endroit où on ne peut pas revenir, d'accord, c'est moutard, selon Rav Hazda. Et l'Agmara, maintenant, nous dit non. Ce que quand on Rabiuda lui a dit non, il a dit quand on arrive à un endroit où on ne peut pas revenir, c'est un sourd. Et c'est ça la grande position. Stop, monsieur, je suis désolé, j'arrête. Amalak Rabbi Yehuda, stop. Les olam et al-qaidin savent les biadaï, ou mal-qaidin savent les kamaï. Rabbi Yehuda dit en vérité, la déduction que tu as faite, elle est fausse. Comme on l'a dit au début, mal-qaidin, ça veut dire tu lui donnes avec les mains. Mal-qaidin, tu poses devant eux. Et quand tu m'as posé la question, quel est le problème? Et alors, c'est à sort de poser de l'aliment devant eux. Là, oui, monsieur, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que les pigeons sauvages, tu n'as pas le droit de leur donner à manger Shabbat. Même tu leur poses devant eux, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu te fatigues pour rien. Ces pigeons et animaux sauvages, ils peuvent très bien manger ailleurs s'ils sont sauvages. Même le fait d'amener de la nourriture, ça s'appelle une fatigue supplémentaire. Voilà, tu jettes comme ça, tu n'as pas le droit. Parce que les animaux qui se nourrissent seuls, tu n'as pas à leur donner à manger. C'est le tien, oui. S'il nourrit seul, c'est pas le tien. Non, si c'est le tien, je dis pas. Si c'est le tien, il ne peut pas être sauvage. C'est ça, non, c'est ce que je te dis. Voilà. Kidetania, comme la Braïta, elle dit, notin mezonot tefne kelev, on a le droit de donner à manger un chien. Ven notin mezonot tefne hazir, mais on n'a pas le droit de donner à manger un cochon. Pourquoi? On m'a effraîche, ben zelazé. C'est quoi la différence? Donc c'est pas une question de sauvage, alors maintenant. C'est pas une question à moi, il n'y a pas à moi. Si, le chien, il dépend de toi, c'est ton chien. Mais le cochon, il dépend pas de toi, le cochon, il mange n'importe quoi. Mais si c'est même chez toi, tu ne donnes pas à manger, il se débrouille. Non, si tu ne donnes pas à manger, il va manger. Le cochon. Sauvage ou pas
Voilà, c'est est-ce que toi, il dépend de toi, voilà, il dépend de toi ou pas. Exactement. Amar Ravashi, regarde, regarde Ravashi, il dit la preuve dans la Mishnah, Matitena Medaka, et noté mal, venez de vous devenir une espèce de aval, noté, les venez à vaser, venez à gonner. Oui, les venez à des autres, mais attends, là, nous sommes des animes, nous sommes des animes, tu vois bien, dans la Mishnah, on a dit, on n'a pas le droit de mettre de l'eau devant des abeilles, ni des colombes sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils se débrouillent tout seuls. Alors que les coqs et les poulets et tout ça, et les oies, ils sont chez toi. Ah ouais, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, les coqs. Non. Il est chez toi. Comment il va se sentir? Si tu ne donnes pas, quel instinct? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Le cochon qui est chez toi. Ou les tamers. Le cochon, il se débrouille même si tu ne donnes pas. Parce qu'il mange de les poubelles, il mange tout, tout, il mange. Maïdi, Maïdi, dans ces cas-là, pourquoi seulement de l'eau? A fait le haïdi, vous savez, mais là. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi tu as dit on n'a pas le droit de leur donner de l'eau? Même le blé non plus, on n'a pas le droit de leur donner. Ces trucs sauvages qui se nourrissent tout seuls. Il dit non. Il dit non, les oiseaux, tout ça, ils peuvent le trouver dans n'importe quel endroit, dans les étangs, dans les sources d'eau. Mais le blé et l'or, je ne peux pas trouver. C'est pour ça que je peux te mettre à côté d'eux. Dadash Rabbi Yona Petra de Vincia. Il a expliqué à Rabbi Yona, Maïdir Yodéa Sadiq Din Dalim. Il connaît le juste, la loi des pauvres. C'est quoi? Yodéa, quand je vais dire, Rabbi Kelev, Shemson Atar Moratin. Hashim, ici, que le chien, il n'a pas beaucoup à manger. Les fichards. Je vais acheter la double orange, je suis amim. Hashem, il laisse la nourriture dans le chien pendant 3 jours. Le chien, quand il mange, ça reste dans son ventre 3 jours. Qui dit nan? Oui. Kamat et chère, la double orange, tamé. Combien un chien, quand il a mangé, la viande de cadavre d'un monsieur, d'un mort, et le chien, après, il est mort, est-ce qu'il rend la tente ou pas? Il dit, si c'est pendant les 3 jours, oui. C'est après 3 jours, non. Ça veut dire quoi? Pendant les 3 jours, la viande, elle est encore dans son ventre. Un chien, il a mangé la viande d'un mort. Mais arrête. Maintenant, on va en faire de la dagim, qui est de ce de salé. Dans les volailles et les poissons, seulement de quoi? Donc, elle tombe dans le feu et se brûle. Amalabamuna, Shmamina, on apprend de là. Donc, on peut donner à manger un chien. Tu lui donnes un peu de viande, c'est pas interdit, puisqu'il n'a pas. Vechama, combien tu lui donnes? Amalamali, Meshahodni, Vechotabate. Juste un petit peu le volume de son oreille, mais un bâton derrière, comme ça il ne revient pas. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il s'habitue. Animalé, bédabla, avec le matin, là. Ça, si on parle des chiens sauvages, enfin sauvages, c'est chiens de errants, voilà. Mais les chiens qui sont dans la ville, tu ne leur donnes pas à manger, sinon ils vont venir tout le temps chez toi. Amala papa, on finit. Oui, c'est pas le chien pourtant. Les derniers, mes calbas, il n'y a pas plus pauvre que le chien, il n'y a pas plus riche que le cochon. Évidemment, le cochon, là où il va, il trouve à manger. Tout, il mange tout, il saute les satés, les poubelles. Le chien, non. Je m'en fous du serpent. T'en n'est qu'à bâtir de la Buda. La Buda, il dit comme ça. Ezoé Amraha, Ezoé Al-Ata, s'il vous plaît, messieurs. C'est quoi Amraha et c'est quoi Al-Ata? Amraha, il dit comme ça. Madbissa, ou Fokhis, cette paix. C'est-à-dire, il lui donne à manger, il lui ouvre la bouche, ou Machila, quand c'est nul, il lui rentre de l'eau, ou Maïbe Batahat, les deux. Al-Ata, il dit, Machila, mais Omed, Mashra, mais Omed. Il lui donne à manger debout. L'autre, il l'a mis par terre. Et il met l'autre. Voilà, il ouvre. Alors le halata, c'est quoi? Il lui donne à manger debout. Il a fait à boire debout. Il met les créations de l'asman. Chacun seul. Il ne mélange pas les deux en même temps. D'accord? Je ne pense pas trop en fait.